Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le mariage chez nous. Sur ce plateau, vous avez eu la chance de connaître comment le mariage se fait selon certaines ethnies du Tchad, telles que Mundan, Tupuri, Lélé, Kanembu. Aujourd'hui, nous sommes au pays Ngambaï. Et sur ce plateau, nous avons Sa Majesté, le chef de canton, Laoukoura Ngaï, qui va nous aider à découvrir les merveilles qui sont dans son terroir. Sa Majesté, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci. Vous êtes le garant des us et coutumes du peuple Ngambaï. Donc, vous allez nous parler un peu où est-ce qu'on peut trouver les Ngambaï. Les Ngambaï, on les trouve dans la province du Logone occidental en totalité. Et une grande partie dans le Logone oriental. Et une partie dans le Maïkébi ouest. Et une autre partie dans la Tangilé. Ok. Parlez-nous un peu de l'histoire des grands-parents Ngambaï. Comment les grands-parents vivaient? Bon. Les grands-parents, selon l'histoire, oui. Ils vivaient de chasse et de cueillette. Et l'histoire que nous avons principalement de mon canton, c'est leur mouvement successif. Ils sont venus d'où? Oui. Mmh. C'est ce que nous avons cherché à connaître. Oui. Alors, nous, du côté Logone occidental, et principalement dans mon canton et dans les cantons tout au long du fleuve Logone, côté occidental, on nous racontait que les fondateurs de ces villages-là sont venus du Logone oriental. Okay. Et ils ont fondé leur village, mais il y a d'autres qui sont venus du côté la Tangilé, principalement. Et c'est ceux-là qui peuplent la partie occidentale. Côté est, côté ouest, je n'ai pas l'histoire pour pouvoir en parler, okay. Mais côté est, on m'a raconté cette histoire, et il serait venu d'un petit village, Pédia, oui. Qui se trouve dans le canton canton Béro, mm-hmm. Dans le Nia, okay. Dans le département de Nia. Okay. Il serait venu de là. Et c'est ceux-là qui ont créé les villages tout le long du fleuve côté occidental comme côté oriental. Selon l'histoire, qu'un vieux de village Dia, oui. M'a raconté. Ok. Lorsqu'on parle de la tradition Ngambaï, qu'est-ce qu'on voit directement? La tradition Ngambaï, ce que moi, quand on parle de tradition Ngambaï, ce que je vois directement, c'est l'éducation. Oui. L'éducation du peuple Ngambaï, oui. Et comment ils se marient, comment ils fondent leur foyer, oui. Voilà, c'est ça ce que j'apprends. Et comment ils forment les jeunes filles et garçons, comment les sages, les hommes se retrouvent pour trouver une solution pour un problème, et les femmes aussi, il y a tout ça. Voilà, voilà, effectivement, en ce qui concerne l'éducation des filles et des garçons, oui. Ça se fait selon l'âge. Oui. Dans un premier temps, ce qu'on appelle pré-initiation. Oui. Pré-initiation, on amène les jeunes de 8 à 12 ans, oui. En brousse. Ils ne dépassent pas une semaine. Okay. Et on les ramène. Et comment on appelle ça? Ouma. Okay. Alors, quand ils reviennent, ils ne vont plus aller dans les chambres de leur maman. Okay. Et là, ils vivent déjà à côté de leurs parents. Mm-hmm. Quand les parents se regroupent sous les arbres à palabres, oui. Eux, ils restent à côté, mais un peu loin de leurs parents. Okay. Et ils suivent la causerie que leurs parents... Mais quand leurs parents veulent parler des choses sérieuses, oui. Ceux-là qui n'ont été que au Ouma, là, oui. On les écarte. On leur dit de se retirer. Okay. De se retirer, et puis à ce moment, eux, ils parlent entre eux. Oui. Mais après, Ouma, maintenant, il y a l'initiation qu'on appelle Lao. Là-haut, okay. Alors là où là c'est la base. Donc quand les gens partent, ils sont partis pour revenir un an, deux fois même deux ans. En brousse. Okay. Et c'est à leur retour qu'ils vont se marier. Okay. Donc ça se passait comme ça. Okay. Donc c'est ça l'éducation des garçons. En ce qui concerne les filles, les filles chez nous, ce qu'on appelle l'excision, il n'y en a pas chez nous. Mm-hmm. Mais chez nous, Magu, on appelle Magu,
Alors là, c'est la même chose, on amène les filles en brousse, oui, et on les case à l'entrée du village, mmh, un peu derrière le village. Elles sont restées là, elles reçoivent des consignes, comment elles vont tenir leur foyer et tout ça. Ça, elles apprennent ça en brousse. Okay. Et on les apprend à même enlever la boule, mmh, avec la main, la boule chaude. Wow. Avec la main, et tout ça, c'est pour les endurcir aussi. Ok, tout ça, c'est la formation. C'est la formation. C'est partie de la formation. Oui, donc la formation des filles, ça se fait entre les grandes femmes, mm-hmm, avec les filles, okay, et les garçons avec les initiateurs qu'on appelle Ngatuga, Nganinga, mm-hmm, tout ça qui les encadre. Maintenant, Sa Majesté, nous allons nous attarder un peu, comme on forme les jeunes pour le love, c'est ça, oui, les filles se marier et les filles aussi pour fonder un foyer. Oui. Et maintenant, nous allons parler un peu nous allons nous attarder sur la question du mariage. Comment vous définissez le mariage au pays Ngambaye? Bon, le mariage au pays Ngambaye, généralement avant, c'est pas le garçon qui choisit. Oui. C'est les parents, parce que c'est les deux familles qui se marient. Ce n'est pas les deux personnes, les deux jeunes là. Oui. Mais c'est les deux familles qui se marient. Hum. Donc, l'homme qui a vu la fille de son voisin ou dans un village quelconque, la famille d'une manière générale, on apprécie d'abord le comportement de la grande famille de la fille même. Okay. Et à ce moment-là, on dit dans telle famille-là, on peut bien entreprendre des relations avec leur fille, okay, pour que les deux familles-là deviennent une seule famille. Seule famille. Alors, à ce moment, s'il y a une sœur ou une cousine qui est quelque part dans le village, merci, on va choisir la fille là. Mmh. On lui dit, il faut observer, mmh, le comportement de la fille de telle voisine. Okay. Et vous nous dites. Donc, la tante ou la grande sœur du garçon là commence à voir la fille de près. Okay. Et elle revient dans le village, dans son village, pour dire à ses parents que oui, ma belle-sœur là, elle est bien, vous voyez, leur famille là, c'est de bonnes familles, il n'y a pas de problème là-bas, et elle-même, c'est une fille travailleuse, voilà, des choses comme ça. Okay. Et après, maintenant, les parents du garçon vont engager des démarches vers la famille de la fille. Oui. Et eux aussi, de leur côté, dès qu'il y a eu une demande déjà entre eux, eux aussi cherchent à connaître comment est le garçon. Le garçon, okay. Est-ce que c'est un travailleur? Mm-hmm. Est-ce que le garçon il est bien? Est-ce que la famille me met bien? Et puis il y a le problème de sorcellerie et tout ça qu'il faut savoir. Okay. Est-ce qu'ils ne sont pas des sorciers d'origine douteuse? Oui, tout ça. Oui, oui. Donc quand tout est réuni, oui, à ce moment-là, on envoie généralement les filles, les femmes. Okay. Pour aller d'abord négocier avec diplomate, en quelque sorte. Voilà. Et quand ça commence à être bien, maintenant on dit au garçon, tu peux aller. Et le garçon commence à fréquenter. Et un peu après, le garçon invite la fille à venir chez lui. Oui. Et la fille va se faire accompagner par une ou deux autres filles. Okay. Elle vient, elle passe un jour, deux jours dans la famille du garçon. Le garçon, oui. Mais alors là, elle était accompagnée à la maman du garçon. Ok. Ouais, mais là, avec le garçon. Non, pas avec le garçon, c'est avec la maman du garçon. Mm-hmm. Alors, ils vont rester, elles vont rester, elles se regardent, elles voient comment elles vont faire. Allons-y chercher de l'eau, oui, chercher le fagot, et mm-hmm, tout ça, c'est pour voir comment la fille, oui, travaille. Okay, voilà. Okay. Et après, quand c'est bien, à ce moment-là, on l'accompagne. Mais en l'accompagnant, on envoie du mil, de quoi, tout ça. On l'accompagne avec ça chez ses parents. Au retour, quelques temps après, là-bas, on prépare le mil qu'on leur a donné, là, on prépare la boule ou la bilibili, oui, pour ramener au beau-parent. Encore. Ouais. Okay. Et à ce moment-là, ça se tisse bien maintenant. Oui. Donc, on dit que voilà, tel garçon de tel là est, oui, fiancé à telle fille de tel. Ok. Et à ce moment, que les choses commencent à se préciser. Ok. Et quand ça se précise, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est des c'est des objets, oui, qu'on donne. Okay. Mais à l'époque, ce qu'on appelle l'argent traditionnel existait, mm-hmm, okay, c'est pas grand chose, c'est symbolique. Okay. Okay. C'est pour dire que les deux personnes, deux familles là sont liées. Liées. Okay. Donc on amène ces présents là, oui, à la belle famille, c'est-à-dire la famille de la femme. En quelque sorte, comme demande-mère ou demande-mère. Demande-mère. Okay.
Alors là, une fois maintenant d'accord, tout le monde est d'accord. Alors quand on est d'accord, bon, alors à ce moment-là, on envoie maintenant la dot. Ok. Et la dot, là, ça se compose de ce que j'ai dit, balles en argent, là, et puis les cabris. Ok. De quoi, bon. Les gens, ce qu'on appelle mos, là, il n'y en a pas chez les Ngambaï, tous les Ngambaï. Okay. Mais ceux qui sont aux frontières, oui, peut-être ils pratiquent ce qui est à côté. À côté, hein, ok. Et là, bon, là, la fille, quand elle va chez le garçon, si le garçon la touche, oui, on dit voilà, là, Wams. Donc, c'est-à-dire que okay, il l'a touché, il faut qu'elle ne vienne pas chez les parents. Ok. Voilà. Mais ce que je comprends chez moi, c'est-à-dire une fois la femme vient chez son mari, oui, elle reste maintenant. Okay. Jusqu'à après, elle va repartir avec des poulets, avec tout pour verser le sang d'abord là-bas. Dans la cour de son père. Voilà, dans la cour de son père. Okay. Et c'est à ce moment qu'elle va manger du mil rouge là chez son ses parents. Okay. Mais sinon, dès qu'elle vient ici, oui, elle ne doit pas manger du mil rouge chez les parents là-bas, okay, tant qu'elle n'a pas amené, voilà, faire ses rites. Le rite là, ok. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Okay. Mais maintenant, arrivé à un certain temps, vous voyez, nous qui avons grandi ailleurs, dans la ville et tout ça, moi personnellement, je ne me suis même pas marié. Je suis marié dans la famille Ngambaï, mais dans le Logone occidental. Dans le Logone occidental, je ne suis pas marié là. Okay. Et je me suis marié au Mayo Kébi, au moins chéri, et partout. Okay. Mais au moins, ça aussi, je me marie dans la famille royale. Royal, okay. Dans la famille royale. Par exemple, quand. Même chez nous, oui, ce mariage existe. Okay. Par exemple, maintenant, autour de moi, les cantons qui sont autour de moi, ce sont les enfants de mes grandes sœurs. Okay. Parce que le papa est malade. Okay. Il faut envoyer ses filles, oui, chez les voisins qui sont des chefs. Chef, oui. Et après, les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils sont devenus des chefs aussi. Oui. Donc moi, je me glorifie. Moi, je suis l'oncle des chefs. Des chefs, oui. Tu vas donner l'autre qui quand même. Voilà, c'est ça. Le mariage ne se fait pas au hasard. Oui, oui. Ça se choisit. Oui. Donc, c'est comme ça. Mais maintenant, bon, on trouve n'importe où. Et surtout quand on se trouve dans les bars, oui, dans le lieu de mariage ailleurs, et c'est tout. Sur place, on se fait déjà promesse, on va se marier, voilà, et puis ça continue. Et peut-être les parents sont surpris avec la grossesse, ou bien, bon, voilà, c'est ça qui gâte tout maintenant. Vraiment. Et quels sont les avantages de cette procédure? Lorsque c'est les parents qui cherchent et qui étudient avant, quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a les avantages aussi et les inconvénients? Les inconvénients peuvent exister, mais moins que les avantages. Parce que les avantages, moi je peux parler de le garçon. Quand, par exemple, mon mari m'a battu, ça on ne connaît pas. Mais le mari tape sa femme. Oui, oui, ça. Mais quand il tape la femme, il réfléchit, il dit, mais je fais mal à la famille de là-bas. Oui. Donc, les gens, le marié là, oui, vivent normalement. Même si le garçon tape sur la femme, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Et la femme aussi sait que son mari la tape, mais ce n'est pas méchant. C'est juste pour la corriger. Et on a peur de faire du mal dans le village là-bas. Parce que c'est opposé deux villages. Oui, comme c'est deux familles. Vous avez uni deux villages, mais si vous vous êtes divisé, vous divisez deux villages. Donc l'homme a peur de diviser les deux villages. La femme aussi a peur de quitter son mari pour diviser les deux villages. Par exemple, ça c'est un avantage. C'est un avantage. Et les enfants grandissent ici chez les papas et là-bas chez la maman. Et quand ils vont à l'initiation, le côté maternel qui a le dernier mot. Avant qu'on amène son neveu en Brousse, il faut que son oncle dise oui. Mais si son oncle ne dit pas oui, on ne peut pas l'amener. Ça, c'est son oncle maternel. Son oncle maternel. Okay. Voilà, et tout ça, c'est des avantages. C'est des avantages. Parce qu'on se marie là à côté, on se choisit, donc on respecte les us et les coutumes. C'est les mêmes us et coutumes. Oui, c'est voilà, c'est des avantages. Ok. Au pays Ngambaï, quel est l'objet symbolique du mariage? L'objet symbolique du mariage, c'est ce que je dis,
c'est ce qu'on appelle la dot. La dot, c'est-à-dire l'argent. L'argent, c'est donc ce couteau de jeu. Couteau de jeu, tout ce qui est nature. Nature. Bon, on donne soit le couteau de jeu, soit des lances. Lance, comme on appelle Ninga. Ninga. Oui. Et des fois, on a même une chèvre, par exemple. Oui. La chèvre qu'on donne là-bas, oui. Cette chèvre-là, la maman de la fille garde pour comme un souvenir. Okay. Et ça va rester des années jusqu'à ce que les revenus de cette chèvre-là, oui. La grand-mère va donner à ses petits-fils. Ah bon? Oui. Wow. C'est symbolique. C'est symbolique, c'est symbolique. Mais ce n'est pas pour dire qu'on a besoin, on a une fille, donc on a une richesse. Non. Personne n'a une idée là avant. Ok. Chers téléspectateurs, comme on vient de suivre Sa Majesté, le mariage qui se prépare entre deux familles a beaucoup d'avantages. Donc, pour bien fonder notre foyer et votre foyer, il est vraiment intéressant de suivre les procédures, c'est-à-dire de respecter les coutumes, pour avoir aussi la bénédiction des ancêtres, comme on a l'habitude de dire, et aussi la bénédiction des deux familles. Oui. Et, ok. Et dans le pays Ngambaï, que représente la virginité d'une fille? Bon, la virginité d'une fille, en tout cas une fille, avant, oui. La fille doit aller en mariage vierge. C'est rare que la fille soit divorcée avant le mariage. Avant le mariage, ok. Bon, ça je parle du passé. Du passé, bien sûr, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait le respect même de la famille. Oui. Que la famille a bien éduqué sa fille, voilà, sa fille est restée, quoi, là, voilà, tout ça. Okay. Mais, ce n'est pas, on ne fait pas un rite pour ça. Okay. On ne fait pas un rite. Okay. Mm-hmm. C'est le mari qui sait que moi j'ai eu ma femme vierge. Étant vierge. Mm-hmm. Et bon, même le garçon à l'époque, bon, je crois que. Bon, il est aussi vierge. Il est aussi vierge. Il est parti où pour trouver une femme. Oui. Comme il doit attendre ce que son parent, son papa lui dit, oui. Il prend la fille de telle, oui. Mais même s'il voit une fille, il dit à ses parents, oui. Et il attend le jour J avant de découvrir sa femme. C'est ça. Donc quand il découvre sa femme, c'est pour la première fois lui aussi. Mais c'est après maintenant qu'il peut se marier à une femme veuve. Une femme divorcée, tout ça, ça c'est son problème maintenant. Okay. Donc, mais en premier, il doit marier une fille vierge. Ouais, vierge. Ok. Chers téléspectateurs, vous avez suivi Sa Majesté. Nous devons marier une fille vierge. Et ça fait la fierté de la famille, n'est-ce pas? Lorsqu'on trouve sa femme vierge, ça fait l'honneur aussi de l'homme. L'homme, c'est ça, homme. Et même la femme. La femme, et la femme plus. Aussi. La femme plus, n'est-ce pas? Plus. Parce qu'elle est vraiment fière. Fière, oui. Quand elle parle un peu seulement à son mari, tu m'as trouvé comment? Tu m'as trouvé vierge. Oui, là, elle va commencer à extrapoler. Est-ce que tu m'as trouvé la chidité du vierge? Voilà. Et l'homme aussi sait qu'il a trouvé la femme pure. Bien, voilà. Et en même temps, même si la colère est comment, l'homme commence à baisser. Oui, ton, c'est ça. Vous voyez? Donc, trouver une femme vierge, ça crée une relation vraiment intime. Et ça sème un climat, ça fait régner un climat de confiance entre l'homme et la femme. Et même si un problème arrive un jour, ça, facilement les gens trouvent la solution. Ok. Mais maintenant, on ne peut plus parler de ça. On ne peut plus parler de ça. Sa Majesté dit, on ne peut plus parler. Mais pourquoi Sa Majesté, on ne peut plus parler de ça? Bon, il y a l'évolution. Oui. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la progression de la situation mondiale. Oui. Parce que le monde devient une seule maison ou bien une chambre et la cuisine. Oui. Donc on ne peut plus dire qu'on peut vivre que sa tradition. Oui. Mais si cette évolution fait la relation entre nous et notre coutume, cette bonne mœurs, est-ce qu'il faut suivre ça? Bon, parce qu'il faut faire le choix. Oui. Il faut accepter les bonnes mœurs qui peuvent exister dans la progression. Mais il y a des mœurs qu'il faut combattre. Bien sûr. Parce que si maintenant, moi je peux dire que voilà, dans mon village, c'était comme ça, donc ça doit continuer à être comme ça. Mais le monde qui est à côté de moi, il faut que je m'adapte. Bien sûr. Donc aujourd'hui, moi j'ai vécu dans tous les champs. Oui. Une grande partie de ma vie, j'ai passé vers le nord et tout ça. Ce qui fait
facilement mes relations. Oui. Et moi aujourd'hui, je ne peux pas dire que bah, être comme ça, comme ça. Bah, non, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, mais donner l'éducation aux enfants pour dire protégez-vous, faites attention, voilà, là, avec les maladies, avec tout ça. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Mais il ne faut plus dire à la fille, écoute, toi, tu dois aller vierge au mariage. Non, mais tu vas dire ça, tu seras le seul à... Bon, c'est peut-être aussi possible, ça peut être aussi possible. Oui, ça peut être possible, mais on donne l'histoire de nos aïeux, comme je viens d'expliquer là. Voilà, avant, ça se passait comme ça. Mais maintenant, voilà, vous les filles, vous les garçons, voilà, vous faites comme ça, mais faites attention. C'est mieux de rester comme ça, voilà. Pour notre fierté et la fierté de votre maman, et même votre fierté lorsque vous allez gagner votre foyer. C'est ça. Et au pays Ngambaï, comment se noue la relation? Bon, d'abord, à quel âge on donne la fille au mariage? Bon, effectivement, pour l'âge, on peut donner la fille à 14. 14. Mais 14 ans, elle ne va pas chez son mari. Okay. Elle peut rester en tant que fille. C'est-à-dire, on dit, cette fille-là, est choisie déjà. Et en Gambé, on dit Oudouadia. Oudouadia, ok. Alors là, elle peut rester même 5 ans, 6 ans chez. Bon, même une petite, hein. Oui. Même petite déjà, on peut dire que cette fille-là est déjà proposée à tel monsieur. Oui. Donc, elle peut rester chez ses parents jusqu'à l'âge de puberté. Ok. Et l'âge de puberté, je ne sais pas quand, à l'époque. Oui. Mais je sais que, quand même, eux, ils parlent des saints. Saints, ok. Ils connaissent pas l'âge. L'âge, oui. Mais ils parlent des saints. Quand les saints se développent déjà bien, et puis bon, les saints sont dehors. Oui. Donc, on voit que... les saints, on dit que voilà, elle a l'âge. Elle a l'âge, ok. Mais quand il y a des bouts de saints, on sait que. C'est pas elle n'est pas, elle n'a pas l'âge de puberté. Ok. Donc, ils apprécient par rapport au sein de la fille. Bon. Il y en a aussi qui, par rapport à ses hormones, elle ne peut pas encore avoir l'âge, mais si c'est ça, ça peut arriver aussi. Ça peut il n'y a pas l'âge fixe. Il n'y a pas l'âge fixe. Ok. Et maintenant que l'État est en train de prôner la loi positive, la loi contre le mariage des enfants, il faut d'abord absolument avoir 18 ans avant de donner la fille au mariage. Ouais. Comment vous faites maintenant, comme la tradition est là et l'État aussi est en train de mettre un peu l'accent sur ce aspect? Voilà, comme je vous dis, il faut harmoniser. Oui. Pour vivre le monde aujourd'hui, il faut harmoniser. Oui. Donc, par exemple, chez moi, c'est seulement, on n'a pas, on doit écrire une mœurs qui est bien là. On doit écrire ensemble. Oui. Par exemple, de notre région, nous sommes dans la province du Logone occidental. Nous sommes 53 cantons. Wow. Nous sommes 53 cantons, mais nous, on a l'habitude de nous retrouver. Donc, il y a des choses que nous disons, nous allons faire comme ça. Hein? La majorité, si quelqu'un vient gaspiller le foyer et qu'il enlève la femme de l'autre, il rembourse la totalité. Mais s'il y a une division normale et que la femme a quitté par le mauvais comportement de l'homme, par exemple, il n'a pas réclamé la totalité. On lui donne peut-être la moitié. Oui, sur ce point, il y a un problème. Mais lorsque l'homme marie la femme, par exemple, l'homme a trouvé la femme vierge, il a eu 2-3 enfants avec la femme. Voilà. Il y a la division. Voilà. Et il réclame encore sa dot. C'est ça, je dis que maintenant, il faut s'adapter. Par exemple, chez moi, je dis, mais les enfants qu'il a eu avec la femme, si on lui rembourse la totalité de sa dot, les enfants appartiennent à qui? Voilà. Donc, moi je dis, si c'est le décès, c'est le décès. Alors, la femme maintenant peut décider, rester et garder ses enfants, comme elle peut décider de se remarier. Maintenant, quand elle se remarie, bon, il y a des choses symboliques qui se font. Et parce que le garçon qui se marie avec la femme, là, va s'occuper des enfants. Donc tout ça, c'est-à-dire, il appartient à nous, les chefs traditionnels. Maintenant, d'harmoniser ça, comme vous le dites. Oui. Alors nous, on a l'habitude d'harmoniser de sorte qu'il n'ait pas de heurte. Il n'ait pas de heurte. Okay. Même en ce qui concerne l'âge de mariage. Mariage, ok. Nous respectons, et je fais partie des chefs traditionnels qui étaient venus ici pour parler de ça-là avec les cinq régions, je crois, qui sont retenues. Nous avons travaillé. Okay. Avec les mangues qui sont les plus puissants pour l'excision et autres là, sont venus. Mais en ce qui concerne le mariage aujourd'hui, c'est respecté. C'est respecté. Okay. C'est respecté. C'est-à-dire, d'abord, même si 18 ans et que la fille est à l'école,
Un garçon vient chez moi, un garçon vient la grossir pour interrompre ses études. Moi, il doit payer le dommage et intérêt pour les parents de la fille, 240 000. Le temps qu'on a éduqué cette fille jusqu'à l'amener au niveau de troisième ou quatrième, et puis toi, tu viens interrompre ces études-là. Donc ça, je fais comme ça, et les gens ont peur pour laisser les filles continuer. Et c'est des femmes qui m'ont demandé de faire. Et là, vraiment, je pense que c'est vraiment un acte louable. C'est des femmes qui m'ont demandé de faire. C'est déjà un plus que vous faites déjà, parce que l'État aussi prend la scolarisation des filles, et déjà vous donner déjà un coup de main à l'État, ça c'est déjà appréciable. C'est ça. Mm-hmm. Et maintenant, bon, pour le problème de mariage, quand les parents même s'entendent, au-delà de 18 ans, ils s'entendent. Mais là même, moi je suis contre encore quand les enfants sont à l'école. C'est pas seulement la fille, mais même le garçon qui est à l'école. Oui. On ne peut pas le marier. Il faut le laisser continuer ses études. Oui. Arriver à un temps, lui-même, il décidera de se marier. Quand il est fonctionnaire. Et là, c'est bon. Mais les parents, voilà, il a l'âge. Là, moi, je ne sais pas si je veux vivre longtemps. Il faut que je marie mon enfant. Ça aussi, moi, j'interdis. Pour les garçons, même, j'interdis. Là, c'est déjà... Merci beaucoup pour ce que vous faites déjà de si louable pour la jeunesse de votre terroir. Non? Et en tant que garant des us et coutumes de votre communauté, quel est votre avis concernant le mariage par contrat? Bon, maintenant, on dit bon, un peu partout, à l'étranger, bon, ailleurs, pas en Afrique, bon, peut-être. On parle de mariage par contrat, c'est-à-dire l'homme décide de marier la fille pour 3 ou 4 ans, avoir 2 enfants, 3 enfants avec elle, et puis après, bon, les 3 ans arrivés, la fille repart chez elle, et elle aussi, lui aussi, il continue son chemin. Comment vous voyez ça? Ça peut se passer en ville, ça peut se passer à Djamena, mais même si ça se passe à Mundu, je vais combattre. N'est-ce pas? Ok, ça dit que vous êtes contre ça. Je suis contre. Et à mettre dans la loupe de votre tradition le phénomène de mariage pour tous. On dit un homme se marie à un homme et une femme se marie à une femme. Comment, qu'est-ce qu'on voit dans votre tradition? Est-ce que... Je ne voudrais pas que vous, les journalistes, vous en faites cas comme ça, parce que quand les gens vont entendre, ils vont dire, ah, ça se passe. Bon, ils n'ont qu'à écouter ce qui se passe ailleurs. Étranger. Mais nous, ici, il ne faut pas qu'on en parle. Parce qu'en parlant, les gens vont tenter de le faire. Bon. Mais il ne faut pas qu'on en parle trop ici au Tchad. Bon, parce qu'il y a la télévision, les gens suivent les nouvelles, les ciné et autres. Justement. Donc, ça veut dire que c'est déjà, les gens en parlent déjà beaucoup. Bon, les gens suivent déjà beaucoup. Donc, est-ce qu'il ne faut pas éveiller la conscience de sa population? Bon, c'est un peu ça aussi. J'ai confiance à nos religions. Oui. Nos religions monothéisme. Oui. Au Tchad, que ce soit l'islam, christianisme. Ils n'accepteront jamais ça. Okay. J'espère. Ok, parce que la tradition. Donc, je compte sur eux. Et vous aussi. Et puis, nous aussi, on leur donnera un coup de pouce. Mais, pour que cela n'arrive pas au Tchad. Merci beaucoup. Et face à cette dépravation de mœurs, un message, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est que maintenant, les choses ne sont pas comme nos ancêtres faisaient. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, si moi j'ai des conseils à donner à nos jeunes, il ne faut pas que nos jeunes se jettent dans l'aventure. Oui. Parce que nous avons entendu, ça se passe dans tel coin, il faut que nous aussi qu'on fasse. Non, il faut qu'ils combattent, que les jeunes eux-mêmes combattent. Parce que le Tchad, c'est un pays quand même qui garde encore la tradition. Oui. Le Tchad garde la tradition. Donc, qu'on prenne des bonnes traditions, on mélange avec le modernisme pour s'avancer. Oui. Mais il ne faut pas qu'on prenne modernisme qui domine la tradition ou bien qui vient détruire la tradition. Donc il faut que nos enfants construisent leur présent à partir du passé de nos ancêtres. Et là, ils n'iront pas au-delà. Mais s'ils veulent abandonner, ils ne veulent pas s'instruire. Qu'est-ce que les grands-parents faisaient et qu'est-ce que nous aussi on est en train de faire? Donc demain là, ça ne sera pas possible. Okay. Donc il faut qu'ils construisent leur avenir à partir du passé. Merci. La jeunesse, construisons notre avenir à partir du passé. Prenons les bonnes habitudes, les bonnes mœurs de la modernisation. Et pour faire la jonction avec notre tradition, nos cultures, pour mener une vie bien paisible, une vie sans problème. Chers téléspectateurs, j'espère que vous et moi,
avions tous bénéficié de ce moment pour connaître les merveilles qui se passent au pays Ngambaï. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Merci, Sa Majesté. Merci à mon nouveau Roger. Merci à vous.